Laurent Nautal, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Eh bien, je suis un chercheur scientifique. J'ai été directeur de recherche au CNRS et maintenant je suis chercheur visiteur à l'Observatoire de Paris-Meudon, où j'ai fait en fait toute ma carrière depuis 1980 jusqu'à maintenant. Et donc mon domaine de recherche a été longtemps la cosmologie, l'astrophysique extragalactique, et en parallèle, en physique, j'ai développé une théorie de la relativité nouvelle qui concerne les échelles. Donc, il y a eu la relativité du mouvement avec Galilée, Einstein, la restreinte et la généralisée, et vous, par rapport à ces travaux de Galilée, d'Einstein, où se situent les vôtres? Quand on regarde ce que c'est que les théories de la relativité, eh bien, l'idée générale, c'est que quand on fait des mesures, on est toujours amené à définir un système de coordonnées, un système de référence pour ces mesures. On ne peut pas faire des mesures absolues comme ça. Et ce système de coordonnées va lui-même être caractérisé par son état. C'est-à-dire que ce système de coordonnées, il peut être, par rapport à un autre, non seulement les objets mesurés vont être définis par rapport à un système de coordonnées, mais le système de coordonnées lui-même va être défini par rapport à un autre système de coordonnées. Il n'y a que la relation entre les deux systèmes qui compte. Et il va falloir définir l'origine du système de coordonnées. Il va falloir définir ensuite son orientation. Il peut y avoir plusieurs angles d'orientation, puisqu'il y a trois axes au niveau de l'espace, un au niveau du temps aussi. Et donc, il va y avoir trois angles qui définissent l'orientation. Et puis, on va définir le mouvement. Et ce mouvement peut être défini par une vitesse toujours relative par rapport à un autre système de coordonnées et une accélération, et puis même éventuellement ça peut être plus complexe que ça. Mais jusqu'ici c'était ça la relativité. Disons, avant Galilée, on pourrait dire c'est Giordano Bruno. Giordano Bruno est le premier qui, à partir de Copernic, justement, qui a eu la compréhension que la conséquence de ce que Copernic avait découvert, c'est-à-dire que la Terre n'était pas le centre du monde, à l'époque, ils ont dit non, c'est pas la Terre, c'est le Soleil. Mais très très vite, Giordano Bruno a compris que ce n'était pas le Soleil non plus, parce qu'il a compris que les étoiles étaient des soleils lointains, et il a compris que du coup, il ne pouvait pas y avoir d'origine absolue. N'importe quelle étoile allait devenir le centre du monde pour le système planétaire correspondant. Et donc, il a, pour la première fois, conçu un univers qui n'aurait ni centre ni bord. C'est complètement extraordinaire. Eh bien, ça, c'est la relativité de la position. Galilée, ensuite, peu de temps après, comprend et découvre la relativité du mouvement, de la vitesse. Et c'est cette relativité de la position, de l'orientation et du mouvement qui a ensuite été, on pourrait dire, généralisée par Poincaré et Einstein, généralisée à des vitesses beaucoup plus grandes, en fait, que celles qu'avait considérées Galilée, et encore regénéralisée par Einstein en considérant pas seulement des mouvements inertiels, mais aussi des mouvements accélérés, et non seulement dans l'espace vide, mais dans le champ de gravitation aussi. Donc voilà ce qu'était la relativité jusqu'à maintenant. Mais il manque quelque chose dans tout ça. Il manque quelque chose parce que le système de coordonnées défini dans tous ces travaux, c'est un système de coordonnées qui va avoir une orientation, une position, pardon, un centre, le centre du système de coordonnées, une position, elle-même définie par trois valeurs, une orientation et un mouvement. Mais est-ce qu'on peut faire des mesures avec ça? Il faut imaginer que vous avez trois axes dans l'espace, un axe dans le temps, et vous voulez, avec trois axes qui sont des lignes vides, faire des mesures, c'est impossible. Quand on prend une règle, on est bien obligé de mettre des petits traits sur la règle. Si ma règle n'a pas de petits traits, voilà ce que je ferais. Un axe d'un système de coordonnées, est-ce que j'ai quelque chose? Je précise que vous nous avez montré une règle et puis une feuille de papier. Voilà un axe d'un système de coordonnées, et je voudrais mesurer une position avec ça. On voit bien que ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des unités. Et donc, si on regarde un petit peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant, eh bien, c'est comme si on disait qu'on va faire des mesures sans avoir ni défini les unités, ni défini la résolution avec laquelle on fait une mesure. La résolution, c'est le plus petit intervalle entre les deux traits sur la règle, ou le plus petit intervalle
entre deux instants sur une montre. Si ces deux choses-là ne sont pas définies, on ne peut pas faire de mesure. Et comment les définir? Eh bien, tout simplement comme ça, c'est-à-dire que la résolution, ce sera l'intervalle minimal de mesure possible avec un instrument donné. Mais du coup, ça veut dire que la résolution va changer. Et de même qu'on peut changer la position, changer l'orientation, changer le mouvement, on peut changer la résolution. Bien, la relativité d'échelle, c'est ça. C'est de dire il faut rajouter aux grandeurs qui caractérisent l'état du système de coordonnées. Jusqu'à maintenant, donc, c'était position, orientation, mouvement. Il faut rajouter l'échelle. L'échelle caractéristique, l'échelle de résolution avec laquelle on fait des mesures. Sinon, ça ne correspond absolument pas à une expérience réelle. Ça reste quelque chose d'imaginaire. Sachant que Einstein a toujours justement essayé de rendre réaliste ce qu'il faisait. Einstein, c'est le premier qui a dit, mais un système de coordonnées, c'est défini par des règles et des horloges. C'est un ensemble de règles et d'horloges, rien d'autre. Mais c'est comme s'il nous l'avait dit. On va prendre des règles et des horloges sur lesquelles on n'a pas mis de trait et une montre sur laquelle on n'a pas mis les heures. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc voilà, c'est ça l'idée. Il faut rajouter l'état d'échelle du système de coordonnées qui est caractérisé par sa résolution. Et de même qu'on va changer de vitesse, changer d'accélération, changer de position, eh bien on sera amené à changer de résolution. Et la relativité de l'échelle est une théorie de ce qui se passe quand on fait des transformations de résolution. Alors maintenant, pourquoi relativité d'échelle? Eh bien, tout simplement parce que, de même que en ce qui concerne la relativité de la position, on a commencé à le dire tout à l'heure, on ne peut pas définir une position absolue, c'est seulement une différence de position entre deux points. Donc la position d'un repère sera définie par sa position relative à un autre repère. Donc il y a une différence de distance qui caractérisera la position. L'orientation, c'est pareil. On définit un axe et il va avoir un certain angle par rapport à un autre axe. L'angle est une différence par lui-même. Ensuite, la vitesse. Eh bien, jusqu'à Galilée, les gens pensaient qu'on pouvait définir le mouvement d'un objet et qu'un objet était amené à être en mouvement ou au repos. Et que c'était deux choses antinomiques. Si un objet est en mouvement, il n'est pas en repos. S'il est au repos, il n'est pas en mouvement. C'est complètement faux. Et pourtant, on continue à fonctionner comme ça, mais c'est complètement faux, ça correspond à absolument rien de réel. La preuve en étant que c'est l'expérience que tout le monde a faite d'être dans un train et en train de lire un livre dans un train, quelqu'un s'approche de vous, est-ce que vous bougez? On a oublié qu'on est dans le train roule sur son aile régulièrement, ben non, je suis immobile. On lève la tête, on regarde dehors, on voit le paysage qui défile. Donc, est-ce qu'il y a mouvement ou est-ce qu'il n'y a pas mouvement? Il y a repos par rapport au train et mouvement par rapport à la Terre. En même temps, ça n'est absolument pas antinomique. Là, le fait compris par Galilée, qu'il a exprimé sous la forme, pour tout ce qui participe au mouvement, le mouvement est comme rien. Il est comme s'il n'était pas. C'est exactement le genre de définition qu'on trouve chez un grand, grand philosophe indien qui vivait vers le 2e siècle. Après Jésus-Christ, donc bien bien avant Galilée, 1500 ans avant Galilée, Nagarjuna a employé exactement les mêmes mots pour caractériser ce que dans la philosophie bouddhiste on appelle shunyata, la vacuité. Le mouvement est comme s'il n'était pas, il n'a pas d'existence en soi, pas d'existence propre. Et Galilée dit exactement la même chose. Donc si le mouvement n'a pas d'existence propre, ça veut dire que le mouvement n'est pas une caractéristique intrinsèque d'un corps. Alors qu'on pense tous ça, voilà un corps, il est en mouvement ou il est immobile. Non, c'est faux. Ça n'est absolument pas intrinsèque. En lui-même, un corps n'a pas de mouvement. Le mouvement est une propriété de couple. C'est quelque chose qui apparaît entre deux choses. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que souvent la relativité est décrite sous la forme ceci et comme ça par rapport à cela. C'est insuffisant. Parce que du coup, on n'a pas la réciprocité si on dit ça. Alors que si on fait une expérience de pensée, pardon, il y a deux vaisseaux spatiaux dans un espace complètement vide à part ces deux vaisseaux qui se croisent, ceux qui sont dans le premier vaisseau se sentent complètement immobiles. Ils courent sur son aire à vitesse constante. C'est un mouvement inertiel. On ne sent rien. C'est l'immobilité totale. Ils regardent dehors, mais ils voient le vaisseau d'en face qui bouge. Alors ils disent, ce vaisseau bouge. Maintenant, j'inverse ces deux vaisseaux. On voit bien qu'on ne peut pas savoir dans lequel on est en fait. S'ils sont complètement symétriques, j'inverse.
les deux vaisseaux, et l'expérience faite par le vaisseau d'en face est exactement la même. Il se pense immobile et l'autre bouge. Conclusion, les deux sont immobiles en soi, mais il y a un mouvement relatif entre les deux, mais pas seulement par rapport, vous voyez, il faut s'y maîtriser. D'accord. Alors je voudrais qu'on s'arrête là sur la citation de Galilée quand il dit comme rien, hein, puisque c'est le thème de cette vidéo, donc vacuité, relativité. Et quand on regarde la définition du dictionnaire, vacuité, c'est état du vide, état de ce qui est vide. Alors dans la vidéo précédente qui s'intitule Intelligence intuitive, vous nous avez précisé justement que selon vous, relativité et vacuité, c'est synonyme. Et si c'est synonyme, c'est donc différent hein, de cette définition du dictionnaire. C'est d'ailleurs l'idée hein, qu'on en a dans notre culture. Donc le vide qu'on oppose en général à ce qui existe. Et donc, quand vous citez Galilée, quand il dit que le mouvement est comme rien, on voit qu'il y a une nuance dans l'approche de Galilée, et que c'est là aussi différent de cette définition du dictionnaire. Hein, ce n'est pas rien, mais comme rien. Et pour comprendre, donc, aller plus loin dans cette nuance, je voudrais qu'on se réfère à Leibniz, que vous nous éclairiez un petit peu sur ce qu'il disait. Leibniz qui expliquait dans les principes de la nature et de la grâce, pourquoi y a-t-il plutôt quelque chose plutôt que rien? Enfin, il posait la question, pourquoi y a plutôt quelque chose plutôt que rien? Donc si j'ai bien compris, mais vous nous préciserez, il dit que le rien, c'est plus simple, plus facile que quelque chose. Et que supposer que des choses doivent exister, il faut qu'on puisse rendre raison pourquoi elles doivent exister ainsi. Et non autrement. Du coup, en quoi votre recherche et votre idée de relativité-vacuité, en tout cas déjà sur la notion de vacuité, diffère ou se rapproche de cette question-réponse de Leibniz? Alors, en fait, vous avez raison, c'est-à-dire que la définition qui est donnée en général au mot vacuité n'est pas celle qui correspond au concept bouddhiste de shunyata. C'est pour ça que peut-être il vaudrait mieux ne pas le traduire. Parce que shunyata, ça n'est pas juste la vacuité au sens d'un vide, c'est la vacuité au sens d'un vide d'existence propre. C'est vide de, c'est pas vide point. Et c'est vide de quoi? Ben justement d'existence propre, d'existence intrinsèque, d'existence en soi. Vide de soi, en fait. Mais pas vide d'existence relative. Donc c'est ça le point essentiel. Il y a bien existence relative, mais absence totale d'existence absolue. Donc là, on est sur la même conception hein, que l'expression consacrée par Galilée, le mouvement est comme rien. Absolument, et c'est une manière très, 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 comment dire, imagée de le dire. Ça n'est pas rien, c'est comme rien, parce que du point de vue du repère propre, ça n'est pas là, c'est rien, mais du point de vue d'un repère relatif, c'est là. Donc c'est comme s'il n'était pas, mais ça n'est, mais ça est, mais relativement seulement. Donc si on veut rapprocher ça des deux questions de Leibniz, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, il manque quelque chose les questions posées par Leibniz. Parce que Leibniz se demande pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Et un philosophe bouddhiste, en fait, n'aurait pas accepté cette question. Parce qu'avant cette question numéro 1, il aurait posé la question numéro 0, que veut dire exister? Quels sont les modes d'être, les modes d'existence? Et la réponse à cette question numéro 0, ben c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'on ne peut absolument pas parler d'être ou d'exister en soi, comme ça, sans préciser. Il faut préciser de quel mode d'existence on parle. Parce qu'il y a deux modes d'être possibles, l'existence absolue et l'existence relative. Et la vérité découverte par le Bouddha, là, au 6e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, c'est que, en ce qui concerne l'existence absolue, ça n'existe pas. Absolument rien, aucun objet, aucune chose n'a d'existence absolue. Par contre, en ce qui concerne l'existence relative, eh bien, c'est l'existence de toutes les choses qui existent autour de nous. Or, Leibniz ne précise pas. Il dit pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh bien, c'est faux. C'est tout simplement faux parce que on ne peut pas dire il y a quelque chose plutôt que rien. On est obligé de dire, il y a quelque chose de relatif plutôt que rien, mais il n'y a bel et bien rien
dans l'absolu. Et il ne faut pas oublier, alors le lien avec la relativité, il est clair, parce que qu'est-ce que c'est que la relativité du mouvement, sinon l'absence d'existence absolue du mouvement? C'est la définition einsteinienne, ou même de Galilée, l'autre définition. Il y a toujours la définition où on met le doigt sur le relatif, et la définition où on met le doigt sur l'absolu, sur l'aspect intrinsèque, inconditionné. Et justement, la relativité, c'est l'absence d'absolu. Donc on rejoint complètement la définition de Shunyata. Et l'absence d'absolu, ça pourrait donc être défini comme ce qu'on appelle la vacuité, alors. Complètement. Complètement. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que vous considérez que relativité, vacuité, c'est la même chose. Parce qu'une existence absolue, ce serait une existence en soi. Il faudrait que quelque chose existe de manière intrinsèque, en propre. C'est ça qu'on appelle l'absolu. L'absolu, c'est l'inconditionné. Quelque chose, justement, qui n'a pas besoin d'autre chose pour être défini. Alors, la relativité, c'est on a besoin d'autre chose pour le définir. Alors même si vous l'avez déjà évoqué, je me permets de récapituler. On a déjà vu hein, dans la vidéo précédente, notamment l'approche donc philosophique, côté pratique aussi. Hein, donc chaque chose que nous, observateurs, on voit et qu'on va considérer comme réel, qui existe dans l'absolu, hein, c'est parce qu'on le voit comme ça, même avec nos sens. Hein, je prends l'exemple d'une table, donc on la voit, donc on la pense réelle. La table, en fait, c'est le mélange de plein de choses, hein. Des atomes, il y a du bois. Cette table, elle n'existerait pas si, je sais pas moi, y a pas le sol, y aurait pas le soleil. Enfin, il y a plein de causes à son existence, hein, donc des causes qui lui précèdent. C'est donc dans ce sens-là que vous expliquez qu'il n'y a pas d'existence propre. Sur le plan scientifique, en langage mathématique, est-ce qu'on peut l'écrire ça? Alors en fait, c'est une manière d'approcher le problème, mais qui est extrêmement complexe, parce que ça correspond à ce que vous venez de décrire, à ce qu'on appelle l'interdépendance dans le bouddhisme. Et on va effectivement s'apercevoir que toute chose est conditionnée, dépend d'autre chose d'une manière extrêmement complexe. Donc cette vue-là montre effectivement l'absence d'existence propre, mais d'une manière justement qui est très 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 compliquée. Alors qu'il y a une manière beaucoup, beaucoup plus simple de se rendre compte de cette absence d'existence propre, et en particulier du fait que ce que nos sens nous montrent, ce ne sont pas des choses qui sont là en soi, eh bien c'est que ce soit par nos sens ou que ce soit par des instruments de mesure scientifiques, et nos sens, à un certain niveau, sont des instruments de mesure, un appareil photo, par exemple, a été construit sur le fonctionnement de l'œil, enfin, ou bien des micros ou autres. Des récepteurs de son suivant les oreilles, etc. Simplement, scientifiquement, on a amélioré la chose, on pourrait dire, ou rendu plus précis, capable de mesures détaillées. Mais le principe est le même. On ne peut avoir accès à quelque chose que par une interaction avec ce quelque chose. Si on se ramène au niveau élémentaire, eh bien, voir, ça veut dire qu'il y a un photon qui a été émis par un électron de l'objet qu'on voit. Ce photon a traversé l'espace jusqu'à un atome de notre œil et a été absorbé par un électron de l'atome de cet œil. Donc il y a eu une interaction. Entendre, ben, l'interaction se fait par des ondes sonores. Le goût, ça se fait, l'odorat, ça va se faire par des molécules qui sont captées, etc., etc. Le toucher, quoi qu'on fasse, et tous les instruments de mesure qu'on a, en rayon X, en rayon gamma, physique des particules, tout se ramène toujours, toujours au même diagramme. En fait, ça se ramène à ce qu'on appelle les diagrammes de Feynman. Feynman, c'est le grand physicien américain qui a réduit justement cette dimension de l'interaction à l'élémentarité. Quelque chose émet quelque chose qui est reçu par autre chose. Donc il y a trois termes. C'est un petit peu comme le sujet, la conscience, l'objet. Il y a trois termes. Hein. Un électron envoie un photon qui est capté par un autre électron. Eh bien, le fait pour un objet d'envoyer quelque chose. Il faut qu'il perde de l'énergie, il faut qu'il perde quelque chose. Donc il s'est changé. Donc il ne peut pas être absolu. Quelque chose d'absolu ne peut pas changer. Quelque chose d'absolu, il est là, il ne bouge pas, il est comme il est, il ne peut pas changer. Or, s'il ne peut pas changer, il ne peut pas interagir. S'il ne peut pas interagir, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il est là? C'est comme un univers séparé. Un objet absolu serait comme un univers totalement séparé du reste de l'univers, parce qu'il n'interagirait avec rien du tout. Donc comment faire la différence entre le néant et l'absolu? Ouais, j'allais vous poser la question quand on suit ce raisonnement. En fait, absolu,
et néant, c'est identique. Ben, complètement. Ça se ramène à un autre point philosophique qui est qu'en dernier recours, et ça c'est au niveau de l'esprit, l'être et la conscience c'est la même chose. Parce que c'est exactement ce que fait notre conscience, justement d'être la relation d'interaction entre qui fait apparaître les choses. La lumière va faire apparaître les choses par l'interaction des photons, mais notre conscience va faire apparaître les choses dans la conscience, en elle-même finalement, pas de la même manière, par une interaction avec les objets de conscience. Bon, c'est métaphorique, mais c'est tout de même bien l'idée qu'il faut toujours qu'il y ait ça, qu'il y ait ce niveau de transmission de quelque chose, d'interaction, donc de rayonnement. Et vous avez pu mettre en équation cette idée? Alors ça, c'est complètement mis en équation. Bon, ça déjà, au niveau justement de ce qui est de la position, de l'orientation, du mouvement, ça c'est complètement mis en équation. Ce que j'ai rajouté, moi, c'est de mettre en équation la dépendance en échelle. Bon, là-dessus, je n'ai pas terminé ce que je disais tout à l'heure. C'est que, de même que la position ou le mouvement ou la vitesse, eh bien, on s'aperçoit que ça apparaît toujours par des différences. Si on regarde maintenant les échelles, donc, plus généralement, une échelle, ça peut être juste la taille de quelque chose, eh bien, on s'aperçoit que la relativité des échelles, elle est d'une nature différente. Ça, c'est bien connu. On a ça, par exemple, chez Swift, avec... l'idée que si on a un géant à côté de soi, on va se sentir tout petit. Et si on a un nain ou une fourmi à côté de soi, on va se sentir très très grand. Est-ce qu'on est petit? Est-ce qu'on est grand? Non, on n'est ni grand ni petit en absolu. Grand ou petit est quelque chose de purement relatif. Dans un dictionnaire que j'avais consulté, j'ai cherché le mot relativité et je suis tombé sur le fait que dans le dictionnaire, on donnait comme exemple justement celui-là, justement les échelles. Donc j'ai trouvé ça amusant que l'exemple qui était donné soit les échelles, alors qu'il n'existait pas de théorie de la relativité des échelles. En fait, c'était uniquement sur position, orientation, mouvement. Donc, on voit que cette relativité des échelles, elle fonctionne sur des différences. Aucune échelle n'est absolue, il n'y a que des rapports d'échelles. De même qu'aucune vitesse n'est absolue, il n'y a que des différences de vitesse. Donc, on pourrait se dire qu'effectivement, à un certain niveau, mathématiquement, ça va être très différent. Il va falloir travailler avec des rapports, des produits, au lieu de sommes ou des différences. Mais en fait, il y a quelque chose d'assez naturel qui apparaît là-dedans. Alors là, c'est un peu mathématique, je ne sais pas si tous nos auditeurs comprendront, mais il y a quelque chose en mathématiques qui s'appelle les logarithmes. Et les logarithmes, eh bien, c'est précisément une fonction qui transforme les produits en sommes et les rapports en différences. Or, le fait d'utiliser les logarithmes pour les échelles est complètement naturel. Parce qu'on voit bien que quand on entend des sons, eh bien, là, je pense que beaucoup plus de gens seront au courant de ça. Eh bien, on les mesure par des décibels. On sait bien, voilà, on dit si on a 110 décibels, c'est affreux, c'est un bruit horrible. S'il y a 10 décibels, on ne va rien entendre. Mais justement, les décibels, c'est une échelle logarithmique des sons. L'idée, là, c'est qu'on voit bien qu'en ce qui concerne justement la sensation physiologique, la réponse physiologique, eh bien, en fait, elle est logarithmique. Et c'est ça qui donne de la dynamique à la réponse. Quand on regarde de la lumière, on regarde un objet lumineux, eh bien, ce sont des magnitudes. En astronomie, on appelle ça des magnitudes. C'est aussi des logarithmes de la luminosité. C'est la même chose que pour les sons. Si on voyait de manière linéaire des luminosités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, on serait complètement aveugle. Ce qu'on voit, en fait, c'est 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. C'est ça qu'on voit. Ce sont ces écarts-là qui vont nous sembler linéaires. Eh bien, tout ça, ce sont les logarithmes. Or, justement, il s'agit d'échelles de luminosité, justement, il s'agit d'échelles d'amplitude sonore. Et c'est comme ça sur tous nos sens. Et donc, c'est quelque chose de très, très général. On voit aussi que quand on regarde les échelles dans la nature, on ne peut pas regarder les échelles dans la nature de manière linéaire. On voit bien qu'au niveau, par exemple, si on va vers les grandes échelles, eh ben, on va prendre notre échelle à nous autour du mètre, et puis on va voir une échelle de 10 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre. L'échelle d'une ville, on passe à 100 000 km l'échelle d'un pays, on passe à 10 000 km l'échelle de la Terre, et puis si on continue, on va passer à 300 000 km l'échelle de la distance Terre-Lune, on va passer à 150 millions de kilomètres l'échelle de la distance au Soleil, à 5 milliards de kilomètres la taille du système solaire jusqu'à Pluton, mais en fait il est beaucoup plus grand que ça, et puis on va passer à l'échelle des étoiles proches, là on est obligé de changer d'unité parce que c'est tellement plus grand. On ne peut plus l'exprimer en kilomètres. On peut, mais ce sera des nombres absolument énormes.
les étoiles les plus proches, elles sont à peu près à 10 millions de milliards de mètres, quelque chose comme ça. On va appeler ça le parsec. Donc on a défini une unité qui est le parsec, qui est la distance à laquelle on voit le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil sous un angle de 1 seconde d'arc. 1 seconde d'arc. La seconde d'arc, c'est 1 sur 3600 fois le degré. Un degré, c'est 1 sur 90 degrés, je divise par 90, j'ai un degré, c'est déjà tout petit. On redivise par 3600, c'est fait 1 seconde d'arc. Et c'est sous cet angle-là qu'on voit la distance entre le Soleil et la Terre pour les étoiles les plus proches. Alors, mais ça, c'est encore tout près. Alpha Centauri. C'est exactement, c'est Proxima du Centaure, voilà, on sait que c'est l'étoile la plus proche. Et donc, cette distance aux étoiles qui est de 1 parsec, ensuite, on va avoir ces étoiles former une galaxie. Notre galaxie contient à peu près 100 milliards d'étoiles, quelque chose comme ça. Et cet ensemble de 100 milliards d'étoiles, ça fait 10 kiloparsecs, 10 000 parsecs de rayon. Donc ce parsec était déjà énorme. Il faut multiplier par 10 000 pour avoir la galaxie. Mais ensuite, cette galaxie, elle est une parmi des milliards et des milliards. Les galaxies les plus proches, alors on a des galaxies. Comment dire, satellites, la nôtre, des petites galaxies, des galaxies naines, mais une grosse galaxie très proche, c'est la nébuleuse d'Andromède, et c'est à peu près à 1 million de parsecs, 0,7, quelque chose comme ça. Donc on arrive au mégaparsec, qui est la taille des amas de galaxies, et puis on va continuer, 10 mégaparsecs, 100 mégaparsecs, 1 gigaparsec. L'horizon de l'univers connu, c'est autour de 3 gigaparsecs, 3 milliards de parsecs, le parsec étant la distance de l'étoile. Donc on voit bien qu'il faut passer en logarithme. Et ça, c'est seulement vers les grandes échelles. Alors maintenant, on peut faire la même chose vers les petites échelles. Vers les petites échelles, on repart du mètre, et puis on va voir apparaître le centimètre, le millimètre, tout ça, c'est accessible à notre œil. Mais on va plus petit, on va arriver au micron. On va arriver à la taille des cellules, qui est peut-être une dizaine, une quarantaine de microns. Et puis on va encore plus petit, on arrive en dessous du micron, on va se retrouver au niveau des nanoparticules. On arrive à l'échelle de 1 milliardième de mètre, ou un 10 milliardième de mètre, l'angstrom, c'est la taille des atomes. Et on continue. À l'intérieur de l'atome, 10 000 fois, 100 000 fois plus petit, il y a la taille du noyau. Le noyau de l'atome, il est formé de protons et de neutrons. Ces protons et neutrons sont eux-mêmes formés de quarks. On regarde à nouveau à l'intérieur. Les particules élémentaires actuelles, toute la matière telle qu'on la connaît, en dernier recours dans ce qu'on connaît actuellement, est formée de quarks. Les quarks fabriquent les protons et les neutrons qui forment le noyau, et d'électrons qui tournent autour de ces noyaux. Eh bien, aujourd'hui, avec le LHC, qui est le grand collisionnaire de hadrons le plus énergétique dont on dispose actuellement, on atteint des énergies de 14 TeV, donc les téraélectronvolts, et ça correspond à des échelles encore beaucoup, beaucoup plus petites. On avait vu l'échelle atomique, on a une échelle de la taille caractéristique, on pourrait dire, qu'on appelle la longueur de Compton de l'électron. Ce n'est pas vraiment une taille caractéristique, c'est un objet de physique atomique, mais c'est un centième de la taille de l'atome. Et ça correspond justement à une espèce de base pour la mécanique quantique dite relativiste, là où toutes les particules vont aller presque à la vitesse de la lumière. Et on redivise ça par 1000, on arrive au gigaélectronvolt, on redivise encore par 1000, on arrive au téraélectronvolt. Donc on est encore à 10 millions, puis 10, 100 millions de fois plus petit qu'un centième de la taille des atomes. Et ça continue. Ça, c'est la limite de nos instruments, mais on sait qu'il y a encore 10 puissance 15 d'ordre de grandeur plus petit en dessous. À quoi du coup vos travaux sur la relativité d'échelle ont servi pour pouvoir définir par exemple les résolutions, la relativité et d'une certaine manière la représentation de notre réalité d'une part et d'autre part quelle utilité dans la compréhension du concept relativité-vacuité? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ce que j'ai rajouté, c'est l'état d'échelle du système de coordonnées qui est donc décrit par la résolution elle-même relative. Et on aurait pu se dire aussi, après tout, changer de résolution, c'est pas faire quelque chose. L'exemple qu'on peut prendre, c'est on regarde quelque chose directement avec nos yeux. La chose est trop petite, ça fait, je sais pas, une fraction de millimètre. On va prendre une loupe. Et là, avec la loupe, on regarde et on voit. Est-ce que ce qu'on voit avec la loupe
est vraiment la même chose, grossie, que ce qu'on voyait avec nos yeux. Je pense que la plupart du temps, on pense ça, mais c'est faux. Au début, ça n'apparaît pas directement, mais peu à peu, plus on grossit, et plus ça devient évident. Pour une raison très simple, c'est que ce qui nous permet de voir, c'est la lumière. Et la lumière, elle a une longueur d'onde. La lumière visible, c'est des longueurs d'onde entre 4000 et 8000 angstroms. Ça veut dire entre 0,4 et 0,8 fois le micron. Et c'est la longueur d'onde même de ce qui nous permet de voir. Eh bien, si on essaie de voir, de grossir, donc après avoir pris une loupe, on prend un microscope, on grossit, on atteint le micron, mais on ne peut pas aller au-delà. Parce qu'aller au-delà, ce serait réussir à voir à l'intérieur même de la taille caractéristique de la lumière, de cette longueur d'onde, qui nous sert à voir. C'est pour ça que les microscopes optiques sont limités, et précisément à la longueur d'onde de la lumière qui nous permet de voir. Alors comment faire? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une lumière plus énergétique, par exemple des rayons X. Les rayons X sont des longueurs d'onde plus courtes, on va voir plus précisément, à plus petite échelle. Et en plus, on sait bien que du coup, le rayon X, il va traverser la matière. Pour les rayons X, elle est devenue transparente. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus petit. Et on continue, et on a inventé des microscopes qui s'appellent microscopes à effet tunnel ou microscopes à effet de champ, qui permettent de voir les atomes. Aujourd'hui, on a des quasi-photos d'atomes, on peut voir comment ils sont organisés. Et j'ai travaillé avec ça d'ailleurs, enfin, je n'ai pas fait moi-même ces clichés, mais j'ai pu travailler avec ces clichés-là, dans lesquels on peut identifier des atomes individuels dans ce qu'on appelle la supraconductivité. C'est un travail sur la supraconductivité qu'on appelle à haute température, parce qu'elle est beaucoup plus haute que la supra habituelle. Et en fait, les personnes qui font des expériences là-dessus, ils ont fait des choses complètement extraordinaires. On peut voir carrément l'ensemble des atomes, du matériau, et on peut voir où se trouvent des atomes d'oxygène qui servent à doper le supraconducteur. Et on sait où ils sont, on peut analyser leur structure, voir les potentiels correspondants. C'est complètement extraordinaire. On peut vraiment travailler à l'échelle atomique comme on travaillerait en tant qu'astronome avec les galaxies d'un amas de galaxies. On voit donc que le fait de changer de résolution, eh bien, ça change profondément les choses. C'est pas quelque chose de neutre, puisqu'on est obligé de changer d'appareil, et peu à peu, on s'aperçoit qu'il y a un aspect destructif. L'interaction, quand elle est faite à énergie faible, apparemment ne détruit pas. En réalité, c'est faux. Si je laisse une feuille de papier au soleil pendant quelques jours, et puis que je mets une partie cachée par un livre, au bout de quelques jours, quand il y a du soleil, je reprends ma feuille et je m'aperçois qu'elle est toute jaune sur la partie qui était au soleil et qu'elle est restée normale sur la partie qui était sous le livre. Elle a bel et bien été abîmée. Donc l'interaction avec la lumière, même visible, détruit quelque chose. Il y a un aspect destructif de l'interaction. Autrement dit, la chose ne reste pas ce qu'elle était, et on revient sur ce qu'on disait au niveau philosophique. De même que l'objet qui voit est obligé de changer pour voir, ou l'objet vu, disons, doit se changer lui-même pour être vu, mais celui qui voit, le sujet, on pourrait dire, qui voit, est également changé pour voir. Il faut qu'il absorbe l'énergie qui a été perdue par l'objet. Donc les deux sont changés, les deux ne sont jamais identiques à eux-mêmes, aucun des deux ne peut jamais être absolu, parce que absolu, ce serait inconditionné, inchangeant. Donc là, on a la preuve que déjà, il se passe des choses, et qu'en changeant de résolution, on doit changer des choses, ça va être de plus en plus destructif, et c'est bien ça l'essence des accélérateurs de particules. Un accélérateur de particules, ce n'est rien d'autre qu'un microscope, c'est la suite du microscope. Le microscope qui était avec de la lumière visible, puis avec de la lumière de rayon X, puis des rayons gamma, eh bien, ce n'est pas suffisant. Donc, on va se mettre à utiliser des électrons. C'est le microscope électronique. Il accélérait ces électrons de plus en plus fort. Puis, on peut utiliser des muons, puis utiliser des protons. Aujourd'hui, le grand collisionneur de protons, le LHC, justement, on va carrément utiliser des protons entiers, des noyaux d'hydrogène, qu'on va faire se collisionner les uns sur les autres, et qui vont, à chaque collision, il va y avoir 1 million de morceaux qui vont partir dans tous les sens. Donc c'est très difficile à analyser, mais c'est pour pouvoir atteindre des énergies encore plus grandes et donc des tailles caractéristiques encore plus petites. Plus l'énergie est grande, plus on est à petite échelle. Donc on voit bien que changer d'échelle,
Donc changer la résolution, étant toujours l'échelle limite qui est accessible avec chacun de ces instruments, la résolution d'un microscope optique, ben ce sera justement autour de 1 micron. Et on change de résolution, ça veut dire augmenter l'énergie, ça veut dire devenir de plus en plus destructif. Et donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose de neutre du tout. On n'a pas vu la même chose plus gros. Le fait de grossir change les choses. Le monde vu n'est pas le monde qui aurait été vu, c'est le monde vu en fait. Le monde interagit. Je prends un objet, un électron par exemple, qui émet un photon. Il a été changé. Avant qu'il émette son photon, il avait une certaine énergie. Après, il en a une autre. Il a moins d'énergie. En réalité, la nature de l'électron, c'est justement ça. C'est d'émettre et d'absorber des photons tout le temps. Donc un électron, il est, d'une certaine manière, n'est jamais un électron. N'est jamais l'électron. On dit, voilà, c'est un électron, mais c'est quelque chose qui, par nature, s'il ne faisait pas ça, ce ne serait pas un électron, parce que c'est ça la charge électrique. C'est la probabilité d'émettre et d'absorber des photons. Donc l'électron, c'est justement celui qui émet et absorbe des photons, et donc il se change tout le temps. Donc ça, c'est indépendant Dépendamment du fait qu'on le regarde ou qu'on ne le regarde pas. L'électron, de toute façon, il va bien changer son énergie tout le temps. Il va y avoir une espèce de fluctuation comme ça. Ensuite, le photon qui a été émis par l'électron, je peux décider de le regarder ou pas. Si je le regarde, ben, je vais me changer moi-même. L'instrument va se changer lui-même par le fait de réceptionner cet électron ou ce photon. Et est-ce que le fait qu'il change tout le temps, hein, sa nature perpétuellement changeante, est une preuve de la relativité vacuité? Une preuve de Shunyata, oui. L'absence d'existence propre, l'absence d'existence absolue. Il existait en soi, de manière intrinsèque, il ne pourrait pas changer. Et comme ça change, il n'existe pas. À partir de ça, le lien à la relativité est plus délicat. Par contre, si on parle de la relativité, on voit bien que c'est bien la même chose. Parce que l'idée de la relativité, c'est que toute chose, pour être définie, mesurée, a besoin d'une référence, d'un système de référence, d'un système de coordonnées, si c'est des mesures de position, de mouvement et de temps. On voit bien du coup que parmi tous les systèmes de référence possibles, il va y en avoir des milliers. Je regarde un objet, je peux le regarder depuis la gauche, la droite, depuis un milliard de kilomètres, orienté comme ci, orienté comme ça, avec tel mouvement, telle accélération. Des milliards de milliards, en fait une infinité même de possibilités pour la relation entre l'objet mesuré et l'objet qui est ce qui mesure, et l'appareil de mesure. Mais maintenant, parmi tous les repères possibles, il y en a un très particulier, c'est le repère de l'objet lui-même. Parce qu'en dernier recours, ce qu'on appelle un repère, un système de coordonnées, une référence, c'est aussi un objet. Bon, il n'existe pas de système de référence abstrait qui serait là dans le ciel. On est bien obligé d'utiliser justement des règles et des horloges. Donc, dans la pratique, on doit bien utiliser une vraie règle et une vraie horloge pour faire des mesures. Mais si maintenant, avec cette règle, je veux mesurer la position de la règle, on voit que ça n'a pas de sens. Quelle est la position d'un objet par rapport à lui-même? Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est ça, Shunyata. Par rapport à lui-même, l'objet n'a pas de position. C'est pas seulement que la position a disparu, je dirais c'est le concept de position même qui a sauté, ça n'a plus de sens. S'il y a un objet qui est tout seul dans un espace totalement vide, où est-il? Le concept de position n'apparaît pas. Il faut qu'il y ait plusieurs objets différents et qu'on les regarde les uns par rapport aux autres. Pareil pour l'accélération, pareil du coup pour la masse, pareil pour l'énergie. En soi, si je prends comme référence l'objet lui-même, tout disparaît. Je ne peux pas définir ni position, ni orientation, ni vitesse, ni énergie cinétique, donc pas d'énergie, etc. La masse, il n'y a pas de masse en soi. Ernst Mach a bien montré que la masse, c'est des rapports d'accélération. Si je n'ai pas de référence pour ces rapports d'accélération qui, en dernier recours, sont des rapports de longueur ou de temps, eh bien, c'est la même chose, je ne peux pas définir la masse. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout en soi. Ce que vous dites là, hein, ça, évidemment, ça fait penser aux travaux d'Einstein sur la gravitation. C'est-à-dire que pour la comprendre, hein, elle est attribuée à l'espace. Complètement. Ça a été un progrès incroyable dans l'histoire de l'humanité. Einstein, il a fait quelque chose de complètement nouveau. Il a changé la physique. Et même plus que ça, je crois que c'est Bergson qui a dit ça, que Einstein, non seulement il avait inventé une nouvelle physique, mais il a inventé une nouvelle manière de penser. Et effectivement, avant Einstein, on considérait qu'il y avait quelque chose qui était le champ de gravitation universel de Newton. C'était la théorie de Newton qui décrivait la gravitation. Et on considérait donc qu'il y avait un champ qui était créé, c'était déjà un progrès. Pour Newton, il y avait une force entre une masse et une autre masse.
Mais ensuite, avec l'école française, avec les grands physiciens mathématiciens comme Laplace, D'Alembert, etc., eh bien, ça, Poisson également, on s'est mis à décrire les choses d'une manière un peu plus profonde. Non pas qu'il y avait une relation entre deux masses, mais qu'une masse crée un champ. Ça se ramène un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. La masse crée le champ, et le champ est là, même s'il n'y a pas une autre masse pour le tester. Alors que chez Newton, c'est une relation entre deux choses. Ici, on change de vue. Une masse crée le champ, et dans ce champ, une particule test va être attirée par la première masse. Ça crée une dissymétrie entre les deux. Mais justement, ce champ, il devient quelque chose de particulier. C'est-à-dire que si c'est une relation entre deux masses, ça reste local. Si une masse crée le champ avant que l'autre masse ne le sente, d'une certaine manière, ben ce champ, il n'a pas de limite. Le champ de gravitation ou le champ électromagnétique, ce sont deux champs qui vont jusqu'à l'infini. Donc, ils remplissent l'espace. Et donc, on voit bien que, du coup, quand on voit les choses comme ça, il y a un pas plus petit à faire pour aller jusqu'à la théorie d'Einstein. Si on se dit, Newton, il y a une force d'attraction ou de répulsion entre des objets. Newton, Coulomb, attraction entre des masses, toujours. En ce qui concerne les charges, des fois ça attire, des fois ça repousse. Mais c'est en 1 sur R2, donc effectivement, ce sera toujours là, quelle que soit la distance. Ensuite, on passe à l'idée d'un champ. Une masse ou une charge crée un champ qui va jusqu'à l'infini et qui remplit l'espace. Eh bien, Einstein, c'est de dire, ben, si le champ remplit l'espace, est-ce que le champ ne peut pas être l'espace lui-même? Mais pour que le champ soit l'espace, il faut que l'espace devienne actif. Ça ne peut plus être un espace vide qui est un simple néant, effectivement, une simple absence totale d'objet. Donc c'est le fait qu'elle soit courbée. Voilà, exactement. C'est-à-dire que Einstein a eu cette idée extraordinaire d'introduire une géométrie de l'espace qui n'est plus la géométrie euclidienne, mais qui est une géométrie, effectivement, qu'on appelle courbe, et qui, en fait, manifeste la gravitation comme propriété de l'espace. Il n'y a plus un espace dans lequel il y a un champ de gravitation. La gravitation, ce n'est plus rien d'autre qu'une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Voilà la nature de la théorie einsteinienne. Donc la gravitation n'est plus quelque chose qui serait dans l'espace. La gravitation, c'est la manifestation de la géométrie de l'espace, plus généralement de l'espace-temps. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a que l'espace et sa géométrie, et c'est ça qui est la gravitation, en fait. C'est la gravitation décrite avant par la théorie newtonienne, par des forces, ou par des champs, ou par des potentiels. Tout ça se trouve dans la théorie d'Einstein comme déduit de la courbure de l'espace-temps. Il n'y a que la courbure de l'espace-temps, et il y a une sorte de traduction. C'est une traduction. On peut traduire ça en termes de potentiel et de champ, et retraduire ça en termes de force. Mais la différence énorme entre les deux, c'est que la force newtonienne était de la gravitation universelle qui était considérée comme étant toujours là. Je mets une masse et je mets une autre masse, il n'y a pas de doute, la force sera là. Alors que chez Einstein, c'est de la relativité. C'est pour ça que la théorie de gravitation relativiste d'Einstein, on l'appelle relativité généralisée, parce que c'est la compréhension que la gravitation, la géométrie, et justement gravitation et géométrie sont devenues la même chose dans la théorie, aucun des deux n'est absolu. La géométrie en physique est relative, la gravitation en physique est relative. Relative, pas seulement au sens où ça va changer un petit peu, relative au point où ça va totalement disparaître dans le référentiel entraîné. Et ça, c'est la première grande idée que Einstein a eue sur ce sujet, qu'il a appelé ensuite le principe d'équivalence. C'est une idée qu'il a eue en 1907 et qu'il a appelée ensuite comme étant la plus grande idée de toute sa vie, la plus belle de toute sa vie. L'idée qu'il a eue, c'est que si un corps tombe, ou si une personne, on va dire, une personne tombe en chute libre dans un champ de gravitation, cette personne ne sentira plus son propre poids. Bon, je pense qu'en tant qu'enfant, on a tous fait cette expérience, il n'y a qu'à sauter sur un trampoline ou plonger sur une dune, etc. Pendant tout le temps de la chute, on ne sent plus son poids. Parfois, c'est une expérience que les gens vont trouver désagréable. On est dans un ascenseur, l'ascenseur part vers le bas, puis oh, on se retrouve un petit peu suspendu comme ça donne mal au cœur. Mais c'est l'expérience des astronautes. Les astronautes, eux, ils sont toujours dans ce qu'on appelle l'apesanteur, et ce qui est tout simplement cette expérience de chute libre dans laquelle on ne sent plus son propre poids. Et donc, si on ne sent plus son poids, où est passée la gravitation? Où est passée la force gravitationnelle qui est censée être là? On dit que bah, celui qui ne sent plus son poids, il n'est pas parti ailleurs, hein. Je saute sur un trampoline, je suis toujours au même endroit.
Il y avait apparemment un poids, et puis d'un seul coup, il a disparu. S'il n'y a plus de poids, il n'y a pas de force, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas d'accélération, il n'y a absolument rien de rien de rien. La gravitation a totalement disparu. Et du coup, le principe d'équivalence est très proche de l'idée de vacuité. C'est le principe d'équivalence, c'est la vacuité de la gravitation. La gravitation n'a pas d'existence propre, intrinsèque. La gravitation est une simple manifestation du choix d'un système de référence. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a une force, un poids, etc., qu'il y a une force de gravitation? Eh bien parce qu'on prend comme système de référence la Terre et que le mouvement libre est bloqué par la Terre. Donc c'est le blocage du mouvement, ce n'est pas du tout la gravitation qui fait apparaître cette force, ce poids. C'est ça le paradoxe. C'est complètement l'inverse. Par la gravitation elle-même, ce serait complètement libre, il n'y a pas de poids. C'est d'avoir bloqué le mouvement. Si je lance un corps, par exemple, dans l'air, comme ça, on le verra faire une parabole. Mais si on regarde plus précisément, c'est pour ça que cette parabole, c'est tout simplement le sommet d'une ellipse qui est bloquée par la Terre. Si la Terre n'était pas là, mais que toute la masse de la Terre était en son centre, eh bien cette ellipse se poursuivrait, tournerait autour du centre de la Terre et reviendrait dans une heure ou une heure et demie. Donc c'est quelque chose qui s'est opposé à la gravitation qui nous fait croire qu'il y a une force. Ça, pour moi, c'est vraiment l'aspect qui est vraiment extraordinaire dans la physique. Parfois, on fait croire que la physique, c'est quelque chose d'évident. Regardez ça, voilà, l'obus à 100 degrés. Non, c'est l'inverse. La vraie physique, elle est complètement extraordinaire. Et complètement, ça prend nos idées à rebours. On a plein, plein d'idées fausses sur le monde. Et justement, des grands êtres comme Newton puis Einstein ont cassé ces idées fausses d'une manière qui est hallucinante. Donc, ce que vous nous expliquez là, c'est que le principe d'équivalence est une démonstration que la vacuité n'est pas synonyme de néant. Et complètement. Complètement. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, c'est une question de choix du système de coordonnées. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que chaque fois qu'on n'a pas vu cet aspect de relativité-vacuité, c'est qu'on se bloquait dans un choix de système de coordonnées particulier. Donc si je décide de rester bloqué sur la Terre, je me retrouve avec la théorie de Newton. Mais si je me donne le droit de me placer dans un système de coordonnées accéléré, c'est ça qu'Einstein a fait. Et d'ailleurs, le principe d'équivalence, il l'a traduit ensuite en disant un champ d'accélération est localement équivalent à un champ de gravitation. Accélération et gravitation, localement, seulement localement, parce que les lignes de champ ne sont pas parallèles, elles vont vers le centre de la Terre. Donc, effectivement, ça peut être que local. Mais localement, on ne peut pas faire la différence. C'est ça qui permet de faire de la gravitation artificielle, inversement. Ça veut dire qu'on peut faire disparaître un champ de gravitation naturel en se plaçant dans le système de coordonnées accéléré. C'est ce qu'on fait quand on se met en chute libre. Et inversement, on est sur un vaisseau spatial, dans l'espace. Il n'y a pas de gravitation, on flotte comme ça, et on fait accélérer ce vaisseau spatial avec une accélération de 1G, et on se retrouvera collé sur le sol avec exactement la même sensation qu'on a sur Terre. Alors qu'il n'y a pas de gravitation, seulement l'accélération. Mais c'est pareil. C'est ça qui mène à avoir l'idée que dans le futur, si on veut faire des voyages longs, on ait des vaisseaux spatiaux annulaires, des appels de Thor, et puis qu'on les fasse tourner sur eux-mêmes, parce que ça créera une force centrifuge. J'ai dit des vaisseaux spatiaux. Quelle horreur! Des vaisseaux spatiaux! Un vaisseau spatial, des vaisseaux spatiaux, un cheval, des chevals! Donc, la vacuité n'est pas le néant. Ça signifie, hein, pour récapituler, donc qu'il n'y a ni non-existence, ni existence, enfin existence absolue, hein. Est-ce que ça veut dire que, du coup, il n'y a ni de je, ni de néant? Pas de jeu, c'est-à-dire J-E. le soi. Oui. Oui, enfin ça c'est une autre question. Oui, mais c'est en rapport avec le concept de vacuité quand même, Ah, hein. complètement, complètement. Mais disons que là c'est une question, c'est plus de la physique. C'est une question existentielle par rapport à nous-mêmes. C'est une autre affaire, mais c'est vrai que c'est une autre affaire qui est bien de même nature. C'est-à-dire c'est la question du soi. Est-ce que il y a un soi? Le Bouddha disait à propos du soi c'était le non-soi. Il a parlé du non-soi des personnes et du non-soi des phénomènes. D'une certaine manière,
tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est le non-soi des phénomènes. La relativité vacuité de tous les phénomènes physiques, eh bien, c'est précisément, on peut l'appeler non-soi, au sens non-existence propre, non-existence intrinsèque. Ça n'existe pas en soi. Maintenant, appliquer ça à la personne, encore une fois, c'est une autre affaire, c'est beaucoup plus long et compliqué, mais fondamentalement, effectivement, on est amené à considérer que, en ce qui concerne en tout cas tout ce qui nous fait caractériser la personne comme étant la personne physique, eh bien, il ne peut y avoir aucune existence propre aux différents éléments de notre corps. Ensuite, il y a la question, effectivement, de l'esprit, mais c'est un autre sujet. Mais bon, le Bouddha a répondu non soi des phénomènes et des personnes. Ce que vous dites là, ça me fait penser, enfin je ne peux pas m'empêcher de penser à la phrase de Descartes, hein, je pense donc je suis. Dans cette idée, on part bien d'un postulat que je existe en soi. Bon, pour moi, c'est un petit peu le même problème qu'avec les questions de Leibniz. C'est-à-dire que si on essaie d'analyser plus profondément, on s'aperçoit qu'il manquait un élément d'analyse, qui était justement l'analyse du mode d'être. Et c'est cette analyse-là que le Bouddha a rajoutée. Avant toute chose, il a analysé le mode d'être. Et donc il a analysé le mode d'être parce qu'il a trouvé de par son expérience la réalité de la relativité. Absolument, c'est-à-dire que par son expérience, mais en fait, il a regardé son esprit et il s'est aperçu que en fait, tous ces phénomènes dont on parle en dernier recours, au niveau le plus profond, ils apparaissent tous à travers une conscience. Si je vois quelque chose, c'est qu'il y a une conscience visuelle. Si on entend quelque chose, eh bien, c'est qu'il y a une conscience auditive, etc. Et que toutes ces consciences, elles-mêmes, si on les analyse, n'ont pas d'existence propre non plus. Donc il est effectivement arrivé à la conclusion que tous les éléments qui caractérisent notre existence psychophysique, que ce soit des éléments mentaux ou des éléments physiques, eh bien, aucun de ces éléments ne peut être caractérisé de manière absolue. Donc effectivement, non soit des phénomènes et non soit de la personne. Alors en ce qui concerne maintenant Descartes, effectivement, je pense donc je suis, on a l'impression qu'il y a aussi un peu un postulat caché. C'est-à-dire, si on dit je pense, c'est qu'on part du principe qu'on a pu identifier l'apparition des pensées comme étant quelque chose qui est fabriqué par une entité qu'on appelle je, qu'on a moi. Donc il y a je ou moi, et c'est ça qui a pensé. Est-ce que c'est le cas? Et ayant posé cela, que les pensées étaient pensées par je, il dit donc je suis. Donc il y a existence de ce je parce qu'on voit les pensées. Mais là aussi, c'est quelque chose que le Bouddha Shakyamuni a vu de manière complètement différente. Lui, il a vu les choses sous une forme dont la conscience mentale, des pensées apparaissent. Parmi ces pensées, il y a l'idée du soi, la pensée je apparaît avec les autres. D'ailleurs, je pense donc je suis, c'est une pensée. Donc dans un esprit, des pensées apparaissent et il y a la pensée de je qui apparaît et il y a la pensée que c'est ce je qui a pensé les autres pensées. Donc je, il a une sorte de pensée racine, mais c'est complètement hypothétique et même si on y réfléchit, douteux, que les pensées puissent être pensées par quelque chose qui est elle-même rien d'autre qu'une pensée. Tout est construit. Donc voilà, effectivement, du point de vue bouddhiste, ça ne tient pas. Alors maintenant, on peut le lire autrement. Parce que Descartes, c'était tout de même quelqu'un de très, 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 très subtil. Souvent, on s'aperçoit que c'est plus profond que ce qu'on peut croire. On peut le lire aussi sous une forme qui va être plus conforme avec le point de vue bouddhiste, qui est que je pense donc je suis, ça veut dire que le je existe et est fabriqué à partir des pensées. Mais il faut rajouter que je, ça ne veut pas dire que je existe en tant qu'une entité solide. Ce n'est qu'une fabrication mentale comme les autres, une imagination. La pensée est par définition imaginaire. C'est des images, des sons, des phrases là, qui apparaissent dans notre esprit, des émotions, des facteurs perturbateurs, tout ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qui est complètement imaginaire. J'imagine donc je suis. Et, ben, c'est ça, donc on voit bien que ça colle pas. Il y a un côté un côté mirage. On va dire, plus que mirage, on va dire, j'allais dire illusion d'optique, non, parce que c'est partir du principe que ça va être une illusion, c'est plutôt, c'est de l'optique. Notre conscience, elle a un côté lumineux, puisqu'elle éclaire les choses, elle fait apparaître les choses. De même que la lumière connecte, relie,
fait apparaître, transporte de l'énergie, rayonne. Notre esprit, il a aussi toutes les caractéristiques, justement, de connecter. Mais aussi, il a les mêmes caractéristiques que la lumière, en voyant que la lumière elle-même n'a pas d'existence propre. Comme le reste, il n'y a pas d'existence propre à la lumière. Et il n'y aura pas non plus d'existence propre à notre ou à nos consciences. Il y a ce côté vraiment lumineux et rayonnant. Et toutes nos pensées, finalement, sont ce rayonnement. Ce sont rien d'autre que ce rayonnement, cette caractéristique rayonnante qui se traduit en manifestation pour nous. Voilà un petit peu comment on peut voir les choses par rapport à la question du je. Si on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est je? D'abord, on dit je, ben, c'est celui qui pense, Descartes, justement. Après, on va dire je, c'est celui qui agit. Et si on regarde mieux comment il y a eu une action, précisément, cette action est toujours précédée par une pensée. Et pas n'importe quelle pensée, c'est une pensée volitionnelle. Donc il y a un je qui a une pensée volitionnelle, en fait, qui est saisie. Cette pensée volitionnelle est saisie. La saisie, ben, c'est la mise en route. On embraye. Et du coup, l'action est faite par ce je sur la base de cette pensée volitionnelle. Mais maintenant, si on creuse plus, est-ce que le je qui pense, c'est lui qui prend le train? Le je qui pense, a priori, c'est l'esprit, c'est le mental. Est-ce qu'on a déjà vu un mental prendre le train? Ce qui prend le train, c'est le corps. Donc, en fait, quand on dit mon corps, est-ce que le je qui agit, c'est le corps qui agit, est le même je que celui qui pense? On voit bien que non. Quand on regarde toutes les fonctions qu'on attribue à ce même mot qui est je ou moi, c'est encore différent, en fait, si on réfléchit. Je, ça va être celui qui pense, celui qui agit. Moi, c'est le récipiendaire. On reçoit quelque chose, c'est moi qui le reçois. C'est le récipiendaire, c'est celui, justement, qui s'approprie les choses. Et donc on s'aperçoit que toutes ces fonctions, c'est quelque chose de différent, que le je qui pense, c'est la pensée, et que le je qui agit, c'est l'action. Voilà, on peut mieux comprendre ce que vous disiez sur l'esprit qui a les mêmes caractéristiques que la lumière. On en arrive donc à la fin de cette première partie hein, sur les questions relativité. Vacuité. Alors là, on était plus sur une approche, un angle, dirons-nous, philosophique. Dans la deuxième partie, on va plus entrer dans le dur, enfin, c'est-à-dire dans l'approche physique, scientifique. Vous nous expliquerez ce que sont d'abord les fractales et la fractalité. Vous nous définirez aussi l'espace-temps fractal. Vous nous parlerez aussi de la place des fractales et de l'espace-temps fractal dans le concept de relativité vacuité, donc qu'on vient de voir hein, sur cette approche plus philosophique. Là, vous évoquerez aussi le lien entre le principe de relativité généralisée et la géométrie, et vous nous expliquerez aussi ce que sont la continuité et la non-différenciabilité. Voilà, puis enfin, vous allez nous décrire un catalogue de galaxies sur lequel vous avez travaillé. Et pour ce faire, eh bien, vous nous parlerez de la manière dont les galaxies se déplacent, par exemple, à quelle vitesse. Merci Laurent Nautal et rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. Merci.